Mama told me, mama, not to sell. Mama told you, 75, same club t-shirt. What? 1995, 2005. Bienvenue chez moi en Algarve, dans le sud du Portugal, les gars. Ici, c'est grillades, motos, détente et paysages de ouf. Le tout sous climat méditerranéen. Qu'est-ce que tu veux de plus, sérieux? Malgré le fait que la santé de Nico soit un peu partie en couille à cause d'une allergie, on a pu voir, rouler et faire pas mal de trucs ici. Premièrement, on va retourner à la route de ouf de l'épisode précédent. Tu t'en souviens? Cette fois-ci, on va essayer de la rouler tous les trois en même temps, correctement et dans de bonnes conditions, si tu vois ce que je veux dire. Allez, enfile ton casque, mets tes gants et suis-nous parce que c'est parti. Cette route était tellement ouf que maintenant on va se la refaire dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est Nico qui passe devant. Merveille cette route, clairement, il n'y a rien à dire. Elle fait clairement partie de mon top 3 des meilleures routes que j'ai pu rouler à moto. On décide maintenant de se poser dans un virage histoire de souffler un peu et de faire quelques passages filmés en statique.
Mais malheureusement, mon gars Nico du Café In Crew s'en est mis une. On était resté quelques virages plus bas avec Clément et on a entendu un bruit de plastique frotter le sol. On s'est direct douté qu'il y avait un souci. Ouais, je sais, c'est toujours la même histoire avec nous, mais on s'y habitue. Ça va, mec ? Vas-y, aide-moi à la relever. 1, 2, 3. Ça va ? Oh merde, c'est l'éther. C'est juste. Y'a rien d'autre ? Ah, c'est là ou ça ? Je m'arrêtais pour faire mon demi-tour. Puis j'étais sur les freins et il y avait des oliviers. Tu t'arrives en courant. J'avais même pas vu. Eh hey, les gars, pourquoi chaque fois qu'on part tous les trois, il faut qu'il y en ait toujours un qui casse la gueule, sérieux? Oh, ça marche, j'arrive à passer les vitesses. On fait quelques plans ou quoi? T'as le GH4? Ouais, il est là. Bah, il est où? Bah, du coup, je l'ai posé pour aller voir, mais il est là. Bah, tu fais quelques plans ou quoi? Moi? Ouais. Non mais je parlais de filmer. Ah. Je vais peut-être enlever le top case parce que j'ai quand même chuté avec ton drone. Oh. Bon alors maintenant il s'agit de rentrer l'église, enfin sans sélecteur. Attends seulement de voir la manoucherie que Nico nous a concoctée pour réparer son sélecteur. Je suis sûr que celle-là tu l'as encore jamais vue. Mais ça je t'en parle un peu plus tard. Le soleil commence à se coucher, du coup, direction Sagres, à la pointe du sud du Portugal, le Cabo Saint Vicente. Ça, c'est le genre de spot absolument incontournable pour admirer un coucher de soleil avec les pieds dans le vide au bord des falaises. Allez, on y va. Il faut pas trop qu'on traîne si on veut pas que le soleil disparaisse avant qu'on arrive. Arrive enfin le Cap Saint Vicente. Pour la petite histoire, ici t'es au point le plus au sud-ouest de l'Europe. C'est vraiment le top pour profiter d'un coucher de soleil. Encore faut-il avoir de la chance car parfois le vent souffle tellement fort que le ciel se couvre rapidement. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas trop mal. La nuit tombe, il est temps de rentrer maintenant. Allez, on va faire chauffer le barbecue. La peau, elle se mange pas ? La peau des chats, non ? Elle se mange, mais vite fait. Moi, ça me mange. T'es un baiser. Comme ça roule dans sa tête, c'est Balouista, mais... Don't mess with Balouista. Dans le prochain épisode, on passera nos derniers jours au Portugal, en Algarve, à se reposer un peu. On ira encore rouler un peu et on fera aussi un peu d'enduro, mais pas comme tu l'imagines. J'en dis pas plus, tu verras ça la prochaine fois. On sortira également un peu le drone histoire que je te montre 2-3 paysages dans le coin qui valent vraiment le coup. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos concernant nos road trips. Tu peux également me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et tu peux aussi visiter mon site internet sur lequel tu retrouveras des articles détaillés de nos road trips ainsi que du contenu exclusif. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et fais attention à toi sur la route.